Sexton maintenant, Sexton la fin de croisée qui trouve Robert, qui perd le ballon, récupéré par la crampe et le dégagement de Butin. Directement sur Hernandez, l'avantage est terminé, la tentative de drop. Martin Hernandez qui va passer. Et les trois premiers points de ce match en faveur du Racing grâce à ce drop. El Mago 3-0. Un beau réalisme de Martin Hernandez. Il avait du temps, mais il a bien ajusté son drop. Avantage terminé, vous faites 3 pas, dégage, pas de problème. Bien appliqué, bien sur ses appuis, la frappe est parfaite, le ballon au milieu du poteau. 3-0. Et le jeu au pied de Delany. L'avantage sera terminé. Avantage terminé. Attention, ce ballon est sauvé par Imhoff avec Hernandez. D'où Argentin. Le s'il vous plaît. Et on va rester dans la moitié de terrain des Racing Men. Loin devant, Hernandez à la réception de ce ballon. Restez 6. Il va jouer lui aussi au pied et qui va trouver une très belle touche dans les 22 mètres de Clermont. Stone. Ballon pour Estebanes. Estebanes pour Hernandez. Gros plaquage de Fritz Lee. Avantage pour les Racing Men. Il y a quoi jouer. Hernandez, il va relancer. Hernandez va relancer. Il va trouver Sexton. Sexton pour Robert. Roberts qui perd la balle. Ballon perdu. Et un moment de relance peut-être. Non, on va jouer au pied. Avec Kane Imhoff peut-être. Attention parce que c'est Heinz. Imhoff va passer devant. Imhoff qui va s'envoler ce ballon au pied. Est-ce qu'il va être prévu sur ce ballon? Ça va être compliqué à prendre cette balle qui est finalement récupérée par Rougerie. Juste devant sa ligne. Les mains, gros, les mains. On revoit là Imhoff avec ses cannes. Malheureusement, il n'arrive pas à bien conduire ce ballon avec ses pieds. Et donc voilà, il se complique la situation. Cela dit, c'est pas facile d'en voir Rougerie là, récupérer cette balle. Enfin, il est argentin, normalement, il doit se lancer beaucoup. C'est vrai. Quand on pense à même Diego. Si on rentre en contact avec l'arbitre, mêlée est jaune. Il rentre en contact avec moi, je le gêne. Ah, donc ce sera une mêlée pour Clermont. Hein. Ballon toujours pour le Racing. L'avantage terminé. L'avantage est terminé, vous l'avez entendu. Avec le petit coup de pied. Bien sûr, bien fait. Magnifique pour Imhoff. Le talent, j'ai voir le bon sans problème. Et voilà l'essai, le premier essai de ce match à 5 minutes de la fin, qui assure la victoire et la qualification au Racing. L'essai de Juan Imhoff. Ah ouais, avec un geste magnifique de Hernandez pour son compatriote qui perd un petit coup de pied par-dessus, parfait pour Imhoff, qui n'a plus qu'à accélérer. Après, il nous fait un superbe cadrage débordement sans para pour aller marquer. Très belle action du Racing. En tous les cas, très belle conclusion. Alors on va revoir. Ah non, c'est Estebanes, je pensais que c'était Hernandez. Voilà, et cadrage débordement. Et un essai d'Imhoff, voilà, qui scelle la victoire du Racing. Pour Imhoff qui vient de prolonger son contrat avec le Racing et qui va marquer le premier essai de ce match. Et le geste d'Estebanes, hein, qui est aussi un joueur qui a été habitué à jouer numéro 10. Mais voilà, toute la panoplie est là. C'est un très beau geste de Fabrice Estebanes. Ça va libérer ces joueurs du Racing.